enregistrement. Ok, on commence une autre lettre. Ça sera Alhamd, Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmani Rahim. Rahim. Maliki Yawmidin. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Ihdina Siratal Mustaqim. Siratal Ladhina An'amta Alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça, c'est la lettre. Cette lettre, si tu es arabe, c'est cette lettre-là et une autre lettre qui fait la différence, qui dit que toi, tu es vraiment un arabe. Même certains arabes ne peuvent pas le dire. Cette lettre-là, elle est l'identité arabe. Celle-là est Aïn, elle est l'identité arabe. Si quelqu'un est arabe, il parle, tu dis que c'est différent. C'est très rare de voir quelqu'un qui n'est pas né arabe de dire ça parfaitement, comme il le faut. Et il y a quelques exceptions. Ici, l'imam où on va là, les vendredis pour étudier, pour faire nos trucs religieux là, je pense qu'il est... Enfin, qui je le demande, il faut que je ne m'aventure pas à dire où est-ce qu'il n'est pas où. Lui, il dit son cette lettre-là, il l'a dit parfaitement. Et quand je l'ai entendu réciter, il a dit cette lettre-là, j'ai dit, le gars-là, il est arabe. On m'a dit qu'il n'est pas arabe. Un jour, un arabe est venu. Il est venu distribuer des Corans pour charité. Quand il a récité, il a voulu parler pour distribuer la distribution des books. Il m'a dit qu'il a dit dans son... Le gars-là, de tous les réciteurs des États-Unis, lui voyage pour distribuer le Coran. C'est le seul qui dit ce mot-là parfaitement, exactement. Cette lettre-là, tu as vu, j'ai souligné en bas, le H. OK. Comme les autres langues ne l'ont pas, les Anglais, quand ils veulent le faire, ils disent K-H, Khadija. Il s'appelle Kadash. Khadijatu. Mais K-H pour remplacer ça. Mais le K n'a rien à voir là-bas. Parce qu'ils n'ont pas aimé K-H. C'est un H qui tremble. Tu comprends? Si tu dis H, et fait le H trembler, c'est exactement la même chose. Je me rappelle bien, comme j'ai été partout aux États-Unis, dans plusieurs États, et quand je vais à la mosquée à Michigan, on était dans une mosquée, on s'assoit aux alentours, partout, tous les matins, les samedis, les dimanches, toutes les nationalités. Hein, tu comptes du Nigeria au Sénégal, de la Libye, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, Jordanie, Palestine, Liban, Iran, Arabie Saoudite, tout ça là, on s'assoit tous aux alentours et on récite le Coran. Chaque récite une moitié de page et donne à l'autre. Chaque fois qu'on arrive sur cette lettre là, plus Aïn, plus Gaïn, plus which one, quel autre que Zal et Zal. Ils se corrigent, les Arabes se corrigent entre eux. Ils disent l'Égyptien, non, c'est pas comme ça, je suis cela, c'est pas comme ça, les autres disent que pas comme ça. OK? Et je me rappelle quand j'apprenais cela à la lire. Tu sais, quand tu lis à la Sénégal, les gens te disent non, c'est pas comme ça, il faut lire la lettre. Donc, quand on était en train d'apprendre ça, on n'arrivait pas à le dire. On dit, parce qu'ils ont écrit, dans les livres anglais, ils ont écrit K-H. Il dit Kha. Le gars dit non, c'est pas Kha, c'est Ha. Je dis, je ne vois pas la différence, n'est-ce pas? Il a fallu qu'un Égyptien qui a fait le lycée français, qui passe à côté, il me dit Lamine. Non, ce mot-là, on ne l'a pas dans toutes les langues françaises et anglaises. La seule chose qu'ils ont aimé un K là-bas pour dire que c'est différent de Ha, pour faire semblant. Mais ce n'est pas un K. C'est un Ha qui tremble. Quand il a dit ça, j'ai dit Ha. Le gars a dit Yeah. Donc, ne mets pas le K là-dedans. C'est un Ha qui tremble, OK? Ha, 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 Ha. OK? Fais le Ha trembler. C'est pour cela que j'ai mis en dessous comme ça, OK? Donc, cette lettre se comporte comme ça au début, ok? Elle est comme le ha, mais elle a un truc au-dessus. Elle est comme Jim a un truc en bas, n'est-ce pas?
Ok. Donc, rappelle-toi, celle qui est au-dessus, c'est Khadija, la femme du prophète. Et celle qui est à Ha, c'est Hamidou. Ok? Et celle qui est l'autre, c'est Jim, Tchata. Ok? C'est même. Ha, regarde comment elle se comporte au début et au milieu du mot et à la fin du mot. On avance. Okay? J'espère que tu n'es pas en pleine chaleur. Hein? Ok. On voit ici où est-ce que cette lettre-là nous sort. Elle nous sort, regarde bien, et nous dit qu'elle nous sort, cette lettre-là, tu as vu ici? Il faut faire le bruit ici. Ha. Il faut faire tout pour que le bruit te sorte ici. Ha. Ha. OK? So, elle et Gaïn sortent de la même. Gaïn, ils sortent de la même chose. On n'a pas encore vu Gaïn, certainement. OK? Voilà, on avance. Non, ok. Ça, c'est l'être. On dit ha, hi, ho. Han. Non, ça, je me suis trompé. J'ai oublié d'enlever le T. Attends, tant que je corrige ça, très vite. Attends, je pose ça. Je pose l'enregistrement. Je vais corriger ça. Voilà, je viens de corriger ça. Okay. On dit ha, hi, ho. Allez-y. Tremble. Ok. Han, Hin, Hun. Ha, Hi, Hu. Ah. Et quand la lettre est doublée, elle se voit comme ça. Si elle est doublée avec un A, on met le A, le fatha ici. Quand elle est doublée avec un I, on met le kasra en dessous du W, ou bien en bas ici, ou bien ici. Et elle est doublée avec un U, on met le fatha dhamma au-dessus. Okay? Let me repeat one more time. Ha, hi, ho. Allez-y. Han, hin, hun. Ha, hi, hu. Ah. Ok, on avance au prochain. Et maintenant, c'est la lecture. C'est la combinaison des loons qu'on a vus. On a vu ba, ta, sa. On a vu ha, jim, and, ha. Okay, c'est la combinaison de ces mots-là. Je ne vais pas les dire qu'est-ce qu'ils sont, on doit connaître. This is the one, celui qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est ha, elle est silencieuse. Tahou. Allez-y. Oui, répète. Tahou. Oh. Tu l'as dit. Parfaitement. Ouh, c'est trop bien. Ok. Ta, ta. Très bien. Ok. Hab, ta. Bien. Ça, c'est la lettre Kaf. C'est la lettre Ha. Ok, on a le son A, c'est la lettre Jim, ça c'est la lettre Ba qui est silencieuse, ça c'est la lettre Ta, et ça c'est la lettre Ha qui est silencieuse. On va dire Ha, Jib, Ta. Jib, Ta. Bien, ça, c'est la lettre I, Ta. Ça c'est la lettre Ha, I, Ta. Ok, la next one c'est ta ba ta ba. Allez-y. Et ça c'est la lettre jim, ça c'est la lettre ha, la lettre ba avec un a, la lettre sa. Ok, on veut dire ja ba so. Et la lettre. Ok, ici c'est ha, ta, ba. Okay. Et on va dire ib, ta,
Hajj. Très bien. Ça, c'est Koudjouti. Ok, c'est sauf comment ça Hajta Habta. Il faut faire le ha tremblant. Habta. Perfect. Et ta di. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ta ri tout. Très bien. Ati Jatou. Non, je me suis trompé, c'est pas Jatou. Okay. Ça, c'est les elle est double, n'est-ce pas? Ati Jatou. La lettre H. Ça, c'est la lettre H, right? Ati Jatou. Allez-y. Très bien. Ok. Et celle-là, c'est Saja Houbou. Vous allez doubler. Saja Saja Houbou. Boun, boun, boun. Sorry, sorry. Saja Saja Houboun. Saja Houboun. Allez-y. Très bien. Ok. On a fini cette classe aujourd'hui.